Hello, on va voir comment avoir un réfrigérateur sain pour mieux conserver ses aliments. Un réfrigérateur doit rester sain pour limiter la prolifération bactérienne, mais aussi pour mieux conserver les aliments dans un objectif anti-gaspillage. Déjà, on vérifie qu'il fonctionne bien, température idéale entre 0 et 4 degrés. Ensuite, on répartit les aliments dans les espaces dédiés, puisqu'ils n'ont pas la même température. Le bac du haut et le bac central sont entre 0 et 4 degrés, donc il faut y mettre les viandes, les poissons et les produits laitiers pour une meilleure conservation. Dans la porte, on ne met pas les aliments qui craignent la cassure de la chaîne du froid. Ainsi, éviter la prolifération bactérienne. Par exemple, les œufs ne doivent pas être dans la porte du frigidaire. On peut mettre des boissons, des sauces. Dans les bacs dédiés, on met les fruits et légumes lavés et propres. Car la terre peut contenir des bactéries et des parasites. De manière générale, retirez tous les emballages superflus car ils sont souillés. Concernant le nettoyage, il est recommandé d'utiliser une éponge propre, soit avec de la javel très diluée, de l'eau savonneuse ou du vinaigre blanc. Une fois par mois, c'est le minimum, dans l'idéal, toutes les deux semaines. Alors maintenant, plus d'excuses, vous ne laissez rien pourrir dans votre frigo.